Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un combat du Ghoul Terminator opposant Burado A contre E4A, nous sommes déjà au jour 5 et nous sommes à la salle F. Je vous mets l'intro, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur l'écran du combat. Malheureusement, j'ai raté les deux premiers tours. On est au début du troisième parce que j'étais en train de souper, de dîner en France. On va faire un bref résumé. Du côté de E4, nous avons Sloda, Losram, nous avons Topegi, Togepi, l'Eniripsa, nous avons Farel, le Panda. Il a une chaîne YouTube, si vous ne connaissez pas. Et DaZ, le groublard vainqueur du Ghoul Terminator 4, qui avait fait équipe avec Snyler et Azadex, la Salida. Mais je pense que c'était Farel qui était avec eux aussi, je ne saurais plus vous dire. Et du côté de Burado, nous avons Elgon, le Xelor, Spawn, le Panda, Boom, Bombe Furia, le Roublard, et Noah, le Steamer. Burado est un serveur espagnol, vous allez voir pas mal de... Espagnol ou portugais, je sais plus, mais vous allez voir beaucoup d'espagnol ici dans le chat, mais c'est les spectateurs, vous inquiétez pas. Début du troisième tour, il n'y a toujours pas de mort, il y a juste Noah qui a pris quand même assez cher. Les bombes de Furia qui sont en train de bien grossir ici, les explosions. Et du côté de DaZ, il a plutôt penché pour des bombes à eau. C'est un peu plus intelligent que ce que je vous avais parlé le combat juste avant. Je trouve ça un peu mieux, quitte à taper un peu moins fort, au moins utiliser les compétences de la bombe à eau, de retirer des PA ou de la tournabombe, de retirer des PM. Je trouve ça beaucoup plus intelligent, moi personnellement, mais bon. Après, c'est à eux de voir. Je pense qu'ils sont en train d'utiliser la technique de la... Comment ça s'appelle? La tactirelle, oui, voilà. Ils vont sûrement mettre une tactirelle ici. Je vais vous montrer la case ici. L'évoluer et attendre le niveau 3. Ensuite, il faudra faire une longue vue sur le personnage qui veut le TP. Et puis, il va faire une transpo et puis ils n'auront plus qu'à faire tout péter. Non, il évolue sa gardienne, donc c'est pas du tout ce que je pensais. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Donc Noah qui n'est déjà plus qu'à 1950 HP, 54, qui avait fait son évolution sur la gardienne, sort d'être bien soigné et met un état secourisme sur Boom Furia. Il faudrait qu'il se décale, voilà, pour qu'elle ait la diagonale pour le faire deux soins. Je trouve ça un peu dommage de gaspiller 2 soins pour 1000 PV, quoi, il n'a pas énormément. Armure de seul, enfin bon. Voilà. 867 de soins en CC et un petit 600. Non, un petit 5, ouais, un petit 600 sur Noah. Donc là, DaZ, c'est à lui de jouer. Ils ont tous adopté la technique DD Armure. DaZ qui est quand même en 4296 PV avec des résistances de malade mental. 39% en neutre terre et feu et 28% en eau et air. C'est quand même violent, je trouve. Et je crois qu'au début il a 4301 PV, parce que là il a perdu un petit peu avec l'érosion, je crois que c'est 4301. Donc pour un roublard c'est juste énorme. Ce qui fait des bombes à 679 de PV de base, c'est juste monstrueux. Donc là l'invisibilité de Sloda qui se termine. Il continue au poison insidieux. Je sais pas si E4 essaye de jouer l'écrasante,
Mais par contre, je sais plus exactement ce qu'il s'avait fait au premier combat. Je vais aller voir. Parce que je suis pas sûr qu'ils avaient gagné leur premier combat en fait, T4. Enfin, si, ils ont peut-être gagné, mais pas en écrasante. On va vérifier ça. Calendrier. Alors, piège sur moi qui est plein. Qui est que. Comment il s'appelle que Boom Fury a déclenché. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il laisse emporter histoire de faire la technique de la tour. Je voudrais regarder. Alors là, c'était le 29. Et 4. Et 4. Ah non, qui s'était incliné face à Solar. Ah, je vais regarder un petit peu le résumé. Voir si c'est du 2 contre 1 ou du 4-0. Comme ça, on verra bien. Donc oui, et 4 qui s'était incliné dès le premier combat. Mais il me semble que l'année passée, ils avaient fait pareil. Ils avaient perdu contre Sumens au premier ou au deuxième tour. Et avec les points qu'ils avaient accumulés grâce aux victoires écrasantes qu'ils avaient mis après, bah, ils avaient réussi à se retrouver jusqu'en finale et avaient gagné assez facilement la finale. Hubert qui est en train de préparer 3 explosions, je sais pas pourquoi il fait ça. Oups. Alors c'est du 4-0 qui se sont pris en 11 tours face à Solar. Solar qui avait une team Zobal Sakri et Yop Sram. Et oui, de toute façon, ils avaient que 5 points et c'était sur la map, je sais plus laquelle, sur la map du Mrs. Freeze. Voilà. Je suis en train juste de regarder sur mon planning si j'aurai le temps. Oui, parce qu'il y a Ulette à 21h40 que je veux pas rater, et sinon dans 20 minutes il y a un prochain combat, mais je vais essayer de terminer celui-ci. Quitte à perdre un tour ou deux, au moins je peux quand même vous proposer le combat, comme ça vous voyez l'issue, un petit peu comment ça s'est passé. Et là pour le moment, la Noah qui est en train de prendre très très cher, qui est en mode secourisme sur sa team, c'est assez marrant de voir ça, de faire ses secourismes de haut de la tour de spawn. Que va-t-il faire? Il met une tac Tyrell. Une des explobombes qui a été tuée, elles sont en train de mourir, donc ce que a préparé Boom va servir à pas grand chose. Donc c'est Spawn qui s'est pris le soin. Et j'ai oublié de vous dire que Nera, je sais plus comment ça s'appelle. Noah, voilà, a repris un peu de vie grâce à son flibust sur la tac Tyrell. Alors voilà le combat que j'aimerais bien suivre après. Nommé POC A contre Ricorel A. Donc c'est le LMJ qui prévient 20 minutes à l'avance de se trouver à la bonne salle et pour que, à l'heure demandée, que ce soit prêt. Attaque Boomerang qui tape un petit peu. Est-ce qu'il a tapé Spawn ou non, seulement Spawn et Boom Furia, puisqu'il a usé la zone du Boomerang. Il y a les bombes de DAZ qui commencent à gonfler. C'est bizarre parce que DAZ n'a pas fait grand chose à son tour. Il fait des rebours. Il a fait 2 dagues boomerang. Enfin, il n'a pas fait énormément de choses. Il y a beaucoup d'invoques qui sont mises pour bloquer les quêtes. Donc là on voit déjà le Burado qui est un petit peu mal mis puisqu'ils sont en train de préparer, de mettre beaucoup d'invoques pour éviter le passage parce qu'ils savent bien que si Ekat arrive à passer, ils vont prendre très très cher. Alors les poisons insidieux qui tapent, mode de rien.
Je crois qu'ils sont en train surtout de jouer la montre bureau à deux. Ils vont essayer de ne pas prendre d'écrasante et après peut-être qu'ils vont y aller. Mais bon, pour le moment, c'est bien parti pour une victoire 2 et 4. Ouh, les points d'attaque qui font très très mal. Bon, c'est sur le tonneau que ça a tapé du 600 avec moins 10%, vous allez me dire. Mais bon, sur du 50% que Farrell a en terre, il avait quand même tapé du 300, c'est pas mal. Tandis que le Lapino de Togepi est bloqué par le Wasta, donc ça c'est déjà une invoque en moins. Limite le Lapino c'est pas encore trop grave. Mais le Wasta c'est une invoque qui est vraiment assez chiante à gérer. Les morts vampiriques qui sont tapés sur la Kawotte. Voilà, histoire de libérer le passage à Sloda et à Daz. Qui je pense va peut-être essayer de jouer le mur de bombe dans pas longtemps. Faudrait qu'ils arrivent à tuer l'harponneur, mais ça a vraiment beaucoup de vie quoi. 1700 de vie, c'est vraiment violent comme. Enfin presque 1800 même. Ouais, presque 1800 de vie comme invocation, en plus indéplaçable, c'est vraiment violent. Donc là le Kaboom qui a été placé, Boom Furia qui est en train de booster sa team. 1, 2, 3. Ouais, si il fait une aimantation ici et qu'il replace une bombe, et Boom Furia est dans la bombe. Est-ce que Daz aura assez de PA? Oui, je pense, il peut le faire. Alors, un pendant le cul qui est donné sur Sloda, qui se retrouve en 11 PM, qui va tenter d'aller finir Noah, je pense. Une épouvante qui est placée sur spawn, histoire de taper en zone et de taper un petit peu l'expo bombe de la part de Farrell. Donc Farrell qui est un joueur de 2v4 et qui a commencé son aventure sur YouTube cette année-ci. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer. Mon dieu, arrête de bouger. On va essayer comme ceci. Non, on sait pas le faire comme ça. Faudra aller directement par Daz. Faudrait qu'il écrive un message pour qu'on puisse, voir. Et ce qui serait pas mal, je vais lui demander, ce serait qu'il filme, enfin en tout cas qu'il enregistre ce qui se passe pendant leur combat niveau Skype et tout ça pour voir si c'est tendu ou si c'est calme. Ou, enfin, voir un petit peu l'ambiance d'une team. D'une équipe qui est en combat, ce serait pas mal. Donc voilà, Daz, c'est à ton tour de jouer. Faudrait qu'il avance là, qu'il fasse une aimantation. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc Daz qui joue, je sais pas trop ce qu'il fait. Il a fait un rouble à botte, donc apparemment il va faire quelque chose de bien. Il fait ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien du tout à ce qu'il vient de faire en fait. Il va peut-être pousser le doppel, il va aller attirer la bombe, enfin, je comprends pas. Il est en train de faire un gros mur de bombe, ça c'est sûr. Et ah non, Sloda va faire une peur pour la mettre là, il va en mettre deux dans le mur de bombe directement. Ah, c'est super bien joué, je pensais pas du tout à ce qu'il a fait faire ça. Surtout qu'il est en 11 PM, donc il est assez tranquille. Là par contre c'est bien joué, mais ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il a pile assez ce qu'il faut, donc il va mettre Boom Furia. De toute manière. Voilà, il a pile assez de PM, ça c'est bien. On aurait dit que c'était calculé. Moi personnellement, un rollback, j'aurais pas su quoi faire.
741 dommages sont placés sur Bong Fury. Il va se prendre en plus, il prend moins un PA. Un piège répulsif. Surtout qu'il est bloqué avec le panda Waston. Donc le roublard va pas savoir faire grand chose à part essayer de taper les bombes. Mais de toute façon, le rollback de la part de Eldrin était vraiment bien placé. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà. Une des bombes à eau est tuée à la bêche As de la part de Spawn. Je crois que leur petite mascarade, ben, c'était peut-être pas très opti, ils n'avaient pas pensé au rollback. Là par contre il y a Noah qui est assez vrai, qui quand même mis, il a pas beaucoup de vie. Ils savent pas faire grand chose pour essayer de la sauver. Le double S numéro, il va jouer avant, donc il va sûrement se bouger. Donc DaZ va pouvoir faire des dagues boomerang en diagonale. Et peut-être avancer pour essayer de remettre une bombe et la faire péter en face. On verra bien. Mais je crois que vraiment leur but premier, ça va être tuer Noah. Et une fois que ce sera fait, ils vont pouvoir taper le roublard. Un petit peu comme le combat d'avant. Puisque le panda et le Xelor sont pas des énormes damage dealers. Mais je sais pas trop pourquoi ils ont vraiment essayé de focus Noah. Et je comprends pas la technique de Boom Fury de mettre 4 bombes, de mettre 3 bombes contre le mur comme ça, je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Peut-être avec le panda, ils vont essayer d'aller en chercher un, de le balancer, enfin je sais pas. Ouais, je crois qu'ils peuvent le faire. Attends, où est placé le panda par rapport. Ouais. Ouais, c'est gérable. Imaginez un panda qui vient, il en met un là-bas, le roublard arrive, il remet un troisième, alimentation, boum. Ça peut être pas mal, à voir. Tandis que la vitale de Noah commence à baisser pas mal. Toutes les bombes à eau de DaZ sont en train de tomber une après l'autre. Et Noah qui soigne comme elle peut avec son Fleeburst. Fleeburst! Qui est remonté à 1400 HP. Et qui se décale sur le côté, qui fait une marée pour changer de place avec le panda Wasta qui bloquait Boom Furia. Donc là, elle se rapproche dangereusement. Donc là, Biora 2, ils attendent vraiment que E4 passe à l'action pour pouvoir commencer à taper et ils vont essayer d'en one-shot un grâce aux bombes. C'est pour ça. En fait, je commence à comprendre pourquoi ils sont mis ainsi. Une IP. Il va taper une bombe, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une botte. Une bombe à eau. Et ouais, sûrement une dague boomerang pour finir l'explobombe qui est ici. C'est vraiment un combat très tactique, hein. Pour le moment ça nous change de ce que j'ai vu depuis le début, mais pourquoi pas. Le Xelor qui s'approche, qui remet une Kawot. Ils essayent vraiment de protéger l'allée centrale ici, parce qu'ils savent bien que tous les dommages vont arriver de là, donc c'est un petit peu, enfin c'est pas très cool à regarder pour le moment. Mais il me semble, enfin, j'ai peur qu'il y a une équipe qui perd patience une fois le 8ème tour passé, donc comme ça l'écrasante sera inévitable, parce qu'elle sera ratée. Je crois qu'on va commencer les hostilités, que E4 va peut-être peut-être enclencher la deuxième, et ou alors ça va peut-être venir du côté de Buorado. Parce que je pense que E4 va essayer de faire un 4-0 pour essayer de se rattraper, puisque bon, ils n'ont pas eu de points, ils ont eu que 5 points au premier combat. Donc s'ils veulent essayer de se qualifier au tour prochain, mais ils doivent rapporter le maximum de points à leur équipe. Autour de Farrell, non de Spawn.
la technique de la petite tour qui est remise en place. La vie de Noah qui baisse peu à peu, mais qui remonte à chaque fois. Donc le petit dommage qu'ils arrivent à faire à chaque tour, ils sont contrés par après par les invoques qui sont assez violentes. Du côté de Bureau 2, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 invoques. Donc sur une map assez petite comme celle-ci, on voit directement, ce qu'elles veulent faire. Alors les lapinos, les deux lapinos qui sont bloqués sur le panda western. Une troisième bombe qui est placée. Monte à combien? Ouais, 644 quand même le roubleur. Une arachne majeure qui est invoquée grâce au coup critique qui va aller taper le Wasta, je pense. Et une flamiche en diagonale. Du 131 sur du 27% de résistance et 15 résifixes, c'est quand même pas mal. Alors, c'est au tour de Farrell qui vient taper au point enflammé sur Boom Furia, qui a un petit peu fait le con, je pense. Ouais, il prend très très cher, il a pris 3 points enflammés de Farrell et une flamiche, et plus qu'à 1200 PV. Farrell qui tue avec la flamiche la Kawotte pour pouvoir laisser place à Sloda, qui doit être ici quelque part, qui va essayer de venir le tuer, je pense. À moins que Noah réinvoque autour de lui, histoire de le protéger. Non, il va le soigner tout simplement grâce à son secourisme. Je vais regarder. Bon, on va rater le combat de Rickerel. Ah, tant pis. Parce que c'est déjà dans 6 minutes et le combat ici n'est pas prêt d'être terminé, je pense. Le poison assidu qui tape toujours, donc mode de rien, la vie de Glorado qui baisse peu à peu. Mais E4 pourrait perdre un de leur. Enfin, pourrait faire un kill à ce tour-ci, je pense, s'ils font un gros tour de rocks. Puisque Boom n'est qu'à 1600 PV et Noah à 1500. C'est peut-être ce qu'ils vont faire. Il fait une botte. Qu'est-ce qu'il fait? Il se décale, il se met dans la diagonale, voilà, il va taper la Spingle, comme ça il tape la Kawotte ainsi que le Roublard, histoire de retirer un maximum d'invoques de la map. Et il met des rebours sur Sloda, qui est. Mais il est où Sloda? Bizarre ça. Enfin, soit c'est pas grave. Eljon qui s'avance. Il va sûrement devoir jouer le rembobinage pour pouvoir reculer parce qu'il a plus aucun PM. Et Biorado qui a décidé de faire un petit peu de dommage sur Togepi. Donc la Sloda qui continue. Qui se booste, pardon, qui tue la Kawotte, qui fait une peur, enfin qui va faire une peur sur Eljon. Non, qui fait des coups de cac sur Eljon. Ouh, deux coups de dague glacés. Ah, c'est bizarre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Quand même, une fois 500, une fois 650. Pas mal du tout. Donc, E4 qui est en train de baisser la vie de toute la team de Biorado, mais qui n'arrive pas à faire un kill proprement parler. Alors, que fait Spawn? Il fait une pente d'attaque sur sa propre explobombe. Alors là. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là.
C'est assez violent, ça, quand même. Bon, peut-être que c'était prévu. On verra bien. Le steamer qui est laissé, comment dire, sans protection. Et Togepi profite de ça pour la taper un petit peu. Et le problème, c'est que Suoda est totalement bloqué par la gardienne et la harponneuse ainsi que Wasta. Et Pharrell va peut-être pouvoir faire des points d'attaque et DaZed va pouvoir aussi taper. Donc c'est vrai qu'il y aurait peut-être un mort à ce tour-ci, on va bien voir. Encore une Kaote qui est invoquée. Ils veulent vraiment pas les laisser passer, hein, c'est grave. Le roublard, Furia qui place le kaboom sur sa team, sauf sur le Xelo, et qui s'avance et qui met une troisième explosion. C'est au tour de Pharrell qui, je pense, va peut-être jouer la pente d'attaque, à moins de continuer au point enflammé comme le tour avant. Parce qu'on a pu voir que ça avait bien marché au niveau dommage. Lait de bambou. Non, il joue la flasque explosive. Ouh, qu'elle fasse pas mal de dommages, il va peut-être pouvoir le finir. Il faudrait qu'il se décale. Qu'est-ce qu'il fait? Colère de Zatoichuan. Non, il tape Eljon plutôt. Il fait un point enflammé à 400 et deux flammiches à 400. Donc Eljon, la vie aussi qui passe en dessous de 2000 HP. Le poison insidieux qui tape encore 200. Noah qui est déjà plus qu'à 584 PV. Donc mon avis, DaZed va pouvoir la terminer à ce tour-ci, à moins qu'elle se rapproche de la gardienne, mais je crois que c'est impossible. Elle va essayer de voler de la vie au Kawot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met là derrière, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Le Doppel Steamer qui tape les invoques comme d'habitude. Par contre, comment ça s'appelle? Ben, la Noah va mourir sous, à mon avis, une dague bourrin 2 d'AZ, non, une deuxième. Il va être obligé parce qu'elle a pris des dommages d'attaque tirée. Donc voilà, Noah qui tombe. Donc, et 4 qui se retrouve en 4 contre 3. La vitesse du roublard commence à vachement baisser et celle de Eljon aussi à col pour Andaspawn qui a encore presque toute sa vie. Et un dernier souffle est placé sur toute la team 2 et 4, histoire de booster les dommages et peut-être de one-shot encore un personnage à ce tour-ci, ce serait pas mal. À moins qu'un autre rollback soit lancé, mais je crois qu'au tour 9 c'est un peu impossible. Faudrait qu'il tue le roublard histoire de, bah, d'être tranquille et de pouvoir foncer au corps à corps sans réfléchir. Fait-il? Il reste dans l'alignement. Ouh, il met un flou sur la team. Puisqu'il se rend bien compte que, comme ils sont boostés à mort, ben, ils vont pouvoir faire beaucoup de dommages. Donc, Boom Fury va sûrement tomber. Slowda qui va foncer au corps à corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être tuer la Kawot. Il se met de côté. Il tape un marteau de Moon. Ça, c'est bien, on a un SRAM un petit peu atypique qui joue avec les vieux sorts. Le marteau de Moon, les dagues glacées, c'est assez marrant. Il a quand même fait du moins 600. Boom Furia qui est plus qu'à 668 HP. Surtout que maintenant, ben, Burado a plus aucun soin dans leur team puisque le seul soin qu'ils avaient c'était Noah le steamer. Même maintenant, ils sont quand même assez mal. Ceux qui sont boostés sous dernier souffle, les Boom Furia va sûrement tomber sous le feu de Togepi. À moins que... Ah non, il joue la tour. Donc le panda qui aura fait vraiment office de tank durant tout le combat.
que fait Togepi. Il vient faire un mode jouvant sur DAZ, histoire de retirer le malus de dernier souffle, mais de garder le boost pour autant. Et il fait des mots blessants qui font assez mal sur Eljon. Plus qu'à 1400 PV, 1458 exactement. C'est au tour de Boom Furieux qui va être obligé de descendre, voilà, pour pouvoir faire quelque chose. Il place un mur de bombe et il va peut-être placer un rouble à botte. Oui, voilà, ils vont essayer de mettre Togepi dans le mur. Il joue le dernier souffle, puisqu'il a, plus rien à perdre. Et voilà, il fait une roublardise pour se casser. Donc oui, ils vont mettre Togepi, il va l'attirer, il va venir là, il va l'attirer, il va faire le tour. C'est peut-être pas très intelligent de sa part de claquer le dernier souffle parce que DAZ va pouvoir le terminer tout simplement soit à l'espingole, soit à la dague boomerang de loin. Non, il va essayer de placer DAZ. C'est pas super bien de jouer de sa part. Surtout qu'il a pris seulement 915 de dommages, c'est déjà bien, vous allez me dire, mais bon, ça va pas changer grand chose. Justement, DAZ n'aura plus qu'à se décaler ici pour pouvoir faire une dague boomerang sur les deux. Ah ben non, même pas. Il n'aura même pas le temps. Donc Furia tombe sous le point enflammé de Pharrell. Donc 4 contre 2 pour l'équipe des 4 là, actuellement. Et un pan dans le cul est placé sur Sloda, histoire de rusher soit Spawn, soit Eljon. Moi, je pense que ce sera plus Spawn. Qui va jouer seulement après DAZ et après Sloda. Alors DAZ, que va-t-il faire? Il va peut-être jouer avec ses bombes. Peut-être mettre une bombe ici, la coop. Je sais pas. On va bien voir, ou il va plutôt simplement taper au corps à corps. Non, il joue la reski. On a vraiment un roublard polyvalent qui tape avec vraiment tous ses sorts. Il met un rebours sur Sloda, histoire de bien le booster. Un rebours sur Togepi et il recule. Et ouh, il passe son tour. Il n'aura pas fait grand chose. Donc je pense qu'ils vont mettre l'assaut sur Sloda, à moins que Eljon reste pas loin. Par contre, c'est un peu dommage parce que... Ouais, non, il va vraiment aller sur Eljon. Ah non, il peut. Non, j'ai rien dit. Bien voir où il va se placer. Un moins de PA. Un ralentissement est passé sur Eljon. Sur Sloda, par contre. Et Eljon qui sera... Sloda qui ne sera pas allé sur quelqu'un d'autre que Spawn. Oups. Voilà, il fonce au corps à corps. Il met un coup d'arnaque, un deuxième coup d'arnaque et peut-être... Une dague glacée, non, un poison insidieux. Donc, on a vraiment un SRAM R. Donc, tout excellent. Donc, il sera pris à moins 1300 en un tour, quand même, c'est pas mal. Sur du 18% de résistance, c'est pas énorme, vous allez me dire, et quand même, mais c'est quand même pas mal. Un coup de bêche as qui est tapé sur Sloda et une pente d'attaque qui fait très très mal. Mais bon, Biorado a bien compris, ils n'avaient plus rien à faire dans le combat à part mourir. Mais c'est cool de leur part de ne pas abandonner, de quand même continuer à jouer. Histoire que les 4 puissent préparer leur synergie de combat pour les combats futurs. Et j'avais parié justement sur E4A, donc je suis assez content qu'ils soient en train de gagner. Ouais, j'avais parié sur eux. Je vérifiais. Les vulnés sont placés sur Eljon. Il se fait un lait de bambou. Qu'est-ce qu'il fait? Donc le lait de bambou n'était pas voulu ici. Ouh, la flasque explosive qui est presque du moins 600. Et deux flammiches. Mais Pharrell a quand même pris pas mal. Ouh, 3333. PV. Pharrell qui a quand même pris cher à cause du renvoi de sort, mais bon, il a mis Eljon à moins 500, à 500 PV. Donc DAZ va sûrement pouvoir le finir. Oui, il a la PO. Il a les PM, pardon. Et on dirait que DAZ fonctionne au ralenti là depuis un tour ou deux. Il faudrait vraiment qu'il le tue. Il fait une tornabombe. Trouble la botte, oui, il va coop, ça tourne à l'ombre, voilà, ça c'est bien joué. Il va la pousser.
Voilà, beaucoup moins de. Ah non, t'as pas tant que ça en fait. Quand même 43% de résistance, qu'il est sous picole en fait, spawn, donc c'est pour ça qu'il prend pas tant de dommages que ça. Et Pharrell qui va être attiré, voilà, pour éviter d'être dedans. C'est dommage, je pense qu'il aurait peut-être dû essayer de tuer El John parce que c'est pas pour, pour ce qu'il va faire là, bah, ils vont gagner un peu de temps. Mais voilà, il va pouvoir le tuer juste quand même derrière. Une pelvis qui est sur El John. Une pelle de Free Ghost 3. Et un dévouement qui est placé sur Spawn et sur El John. Là, ça va être au tour de Sloda qui a toujours énormément de PM qui va venir sur Spawn. S'il nous refait le tour d'avant, mais il devrait pouvoir le terminer. Ah non, il est sous picole, c'est vrai. Donc voilà, il fait une arnaque qui one-shot totalement le reste. Le pauvre reste de vie que Eldon avait encore. Et Spawn qui va rester le dernier de sa team avec seulement 619 PV et qui va tomber, à mon avis, sous les coups soit de Togepi, soit de Pharrell. Quand même le panda qui sera bien défendu. Togepi qui est bloqué, donc il n'y aura pas de corps à corps. Le mode frère, il va foncer au corps à corps comme un bonheur, je pense. On va faire le tour. Il va faire le tour. Ah si, il peut faire le corps à corps, c'est bizarre. Pagetron. Rognan, pardon. 300 PV, ça va être à Pharrell de terminer ce combat. Donc il aura fait quand même un très très beau combat de la part de Hecat. Un petit peu plus tactique que ceux que j'avais pu voir jusqu'à maintenant. Mais franchement, c'est aussi agréable à commenter. Un archétype qui est placé sur le Daisar de le soigner. Et une flamiche pour terminer le combat. Donc voilà. Victoire de Hecat'a face à Buorado A en 11 tours et 46 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain combat du Ghoul Terminator ou autre chose sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous.